En Turquie, les deux leaders du principal parti pro-kurde HDP interpellés cette nuit. Où l'avez-vous emmené, crie la famille et les amis de Selahattin Demirtas, arrêté il y a quelques minutes à son domicile de Diyarbakir. Stupeur et incompréhension après ce coup de filet sans précédent contre la troisième force politique du pays, un parti farouchement opposé au président Recep Tayyip Erdogan. L'interpellation de Figen Yüksekdağ, la coprésidente du HDP, est filmée par ses proches. Son sort et celui de Selahattin Demirtas est entre les mains des magistrats qui les ont entendus ce vendredi. Il pourrait être placé en détention dans le cadre d'une enquête antiterroriste pour des liens présumés avec les rebelles kurdes. Au total, au moins 11 députés du HDP ont été placés en garde à vue la nuit dernière. Parmi eux, Idriss Balouken sur ces images, président du groupe parlementaire HDP, et Sire Sureya Andaj, figure respectée de la cause kurde. Depuis le coup d'État manqué de juillet dernier, les purges contre les opposants se multiplient.